son genre. Il est tellement talentueux. Je te dis alors, Dorette, il va te couper le souffle. Non seulement il est dans la mouvance de dire décalé, coupé, zouglotiquement parlant. Et puis, il nous donne encore une chanson qui reflète l'humour et notre vie quotidienne qui parle des rondeurs. On sent les rondeurs. Quand on parle, le plateau d'eau cuit. Le dos cuit. Le magnifique. Le magnifique. Le magnifique. Le magnifique. Bon, quand il est là, moi, je m'éclipse. Parce qu'aujourd'hui, c'est la crème montante de l'humour en Côte d'Ivoire. Grand zougloutique devant l'éternel. On appelait très fort le magnifique. Tonnerre des chocolatés à Côte d'Ivoire, c'est comment? Affaire des chocolatés. Match amical à Bobo. Les petits Français contre les petits à Bobolais. Faut voir l'arrivée des petits Français dans leur car. Petit coq, maillot, caoué, survêtement, ils sont assis. Faut voir les chansons. Allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les bleus, allez les, allez les, allez les, pardonnez. Quand Bobolet a vu ça, eux aussi ils sont dans un baka. Il n'y a pas portière. Eux aussi ils ont entonné pour eux. On va pas à ça. On va borosa. Ça. On va pas à ça. On va borosa. Ça. On va mourouse. On va graisa. Pardonnez. Mais quand l'entraîneur des Blancs a vu ça, il a appelé ses joueurs. Petit Zidane. Petit Ribéry. Venez à moi. Ça fait 25 ans que je suis à Bobo. Mais quand vous entendez « on va baka ça », ça veut dire que le match n'aura pas lieu. Sinon, ils vont vous tuer. Ça peut aller? Oh, pour vous dire merci, parce que vous êtes si généreux. Tonnerre à Cocody pour les chocolatés. Il y a une go de Cocody qui voulait nous veiller. Elle voulait nous hier, elle ne comprend pas français. Chérie, ça va? Elle dit tu t'appelles comment? Elle dit, je dis pas mon nom. Elle dit, ça veut dire quoi? Elle dit, je vais vivre caché. Elle dit, comment ça? Elle dit, je vais vivre dans l'anatomie. Elle dit, ma chérie, c'est anonymat. Mesdames et messieurs, je ne suis pas venu seul. Je suis venu à deux gos du Dokui. Je vais appeler Daisy Dokui. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Yeah, applaudissez, applaudissez, applaudissez pour Daisy Dokui. Je vais appeler Aimé Dokui. Aimé Dokui. Yeah. Ok, la régie, quand tu es prêt, envoie le son. Plateau Dokui. Dokui. Plateau Dokui. Dokui. Plateau Dokui. Dokui. Plateau Dokui. Chez nous, Abidjan, on a beaucoup de quartiers. Dans tous ces quartiers-là, il y a un seul qui m'a vraiment marqué. C'est le plateau. Plateau Dokui, vous voulez na Dokui, plateau Dokui, Dokui, plateau Dokui, je dis bien le Dokui, Francky Dokui, ou bien Dokui, au plateau Dokui, j'avais ma copine qui s'appelait Puiti, elle vient de Quipi, et moi je biscuit, elle est toujours en culotte, ses chaussures même sont en cuir, elle tombe à la cuite assise. Dokui. Son cuit, il est vraiment élevé. Plateau de cuit, au roulé, n'a de cuit. Plateau de cuit. Dokui. Dokui. Plateau de cuit, Dokui. Plateau de cuit, Dokui. Plateau de cuit, Dokui. Plateau de cuit, oh. Je suis allé à la maison, elle est toujours dans la cuisine. Elle mange dans la cuvette avec des cuillères. Son riz il est bien cuit. Après, il y a cuillère dans sa bouche. Son grand frère est curé, son papa est agriculteur. C'est la voisine des cuillots.
chercher visa ou aller au Kurdistan. Je n'ai pas dit Cuba, elle danse bien le pupin. De toute façon, elle est curieuse, c'est comme ça elle est cultivée. Dans les 18 montagnes, elle aime le montant cuit. À la radio, elle aime écouter Paul de Puy. Plateau de Puy, Roulé Nando Puy. Plateau de Puy. Non, aujourd'hui, on reçoit les frères. Donc, on dira, tonnerre, c'est indomptable. Tonnerre, c'est comment? Alors, tonnerre, là, c'est comment, non? Vous avez aimé le magnifique, non? Il faut l'applaudir très fort. Celui qui va...